À quand une réconciliation entre le prince William et le prince Harry? Autrefois si proches, les deux frères se sont considérablement éloignés depuis maintenant quelques années. Mais le grand public semble toujours espérer un rapprochement entre les deux films du roi Charles III et de Lady Diana. Le prince Harry voudrait se réconcilier avec son frère selon de nombreuses sources proches de la famille royale. Le prince Harry ne serait pas fermé à l'idée de mettre fin à cette brouille familiale. Bien au contraire. Et à défaut de pouvoir en discuter avec son aîné, il aurait trouvé une alliée de choix en la personne de Kate Middleton. Selon les informations du Mirror, Kate Middleton serait attristée de la brouille entre son mari, le prince William, et son petit frère dont il était autrefois si proche. Le tabloïd britannique fait état d'appels très tardifs entre Kate et Harry, ayant pour but d'ouvrir la voie à une paix au long terme avec la famille royale. Une source affirme en effet, William a très clairement expliqué qu'il n'était pas prêt à avoir une discussion avec Harry pour réparer leur relation, mais que la princesse de Galles serait plus ouverte à cette idée. Le prince William n'a pas oublié son petit frère. Le 15 septembre était marqué par l'anniversaire du prince Harry, mais ce dernier n'a pas eu le droit à des hommages officiels de la part de la famille royale britannique. C'est normal, il a perdu cet honneur depuis qu'il n'est plus un membre actif de la royauté. Sa femme et ses enfants ont d'ailleurs eu le droit au même traitement lors de leurs derniers anniversaires respectifs. Toutefois, le prince William a été interrogé par des passants, alors que ce dernier se promenait dans le domaine de Sandringham il y a quelques jours. Selon le Mirror, ces derniers lui auraient demandé s'il avait pensé à l'anniversaire de son petit frère. C'est son anniversaire aujourd'hui? Vous avez tout à fait raison. Je n'aille pas oublier. Une phrase sibylline qui pourrait bien être une réponse polie à une question, mais qui laisse à penser que le prince de Galles a bel et bien eu au moins une pensée pour son petit frère, en dépit de leur dispute.